toutes les créatures que tu as créées, tant celles qui sont célestes que celles qui sont terrestres, dans la mer, sous la terre, sous la mer, ne cesse de glorifier, de magnifier ton nom. Tu sais à quel point nous sommes faibles, tu sais à quel point nous sommes incapables sans toi, tu sais à quel point nous ne pouvons rien faire sans toi, sans ton aide et sans ton assistance, sans Seigneur mon Dieu, ton orientation, mon Dieu. Ce soir, je te prie de prendre la place, de prendre le contrôle de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera fait dans ce lieu. Je prie que tout soit imbibé de ton onction et de ta gloire, de ta présence. Que l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, soit complètement déjouée. Satan, écoute-moi. Tu as été vaincu au poteau de la croix de Golgotha. Et ce soir, je viens te rappeler ta défaite. Je viens te rappeler que tu ne peux rien contre l'armée de l'Éternel, que tu ne peux rien contre l'Église. Car il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je viens rappeler la victoire que Jésus a obtenue au poteau de la croix, car le sang du Dieu vivant a coulé. Le sang de la vie, le sang de la vie. Et ce sang couvre ce lieu, ce sang, lui, prenne chacun, chaque homme, chaque chose en ce lieu. Et je prie que tes œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que l'œuvre de la distraction soit paralysée, que l'œuvre de la sorcellerie soit détruite, que la puissance de l'enfer, que tous les projets méprisés dans le royaume de ténèbres, je les brise maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Ton œuvre se fera, Seigneur. Ta parole sera prêchée. Merci, Père, de disposer les cœurs maintenant, que le voile disparaisse, que le cœur incrédule reçoive, oui, la semence de la parole de Dieu, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. La gloire est à toi, Jésus. La louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Tout le monde acclame le nom de Jésus. Je demanderai bonsoir à tout le monde. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, mon cœur est dans la joie de nous voir tous ce soir, assemblés en ce lieu autour du nom de Jésus. Je demanderai à ceux qui sont derrière de venir occuper la première place, s'il vous plaît. Merci à toi, Pasteur Philippe, d'être là parmi nous. Tiens, il y a une place pour toi ici. Tu occupes cette place. Oui, je sais que nous aimons bien être la dernière place, mais. Je vais t'honorer aujourd'hui. Merci. Salut ton frère de gauche et de droite. Pose-moi la question, est-ce que ça va? Regarde-lui. Pose la question, est-ce que tu vas bien? Sœur Françoise, est-ce que tu vas bien? Très content de te voir. Ça fait longtemps. Nous sommes réunis ici pour 3 jours de séminaire, 3 jours où nous voulons glorifier le nom de Jésus, 3 jours où nous voulons proclamer, célébrer son nom, sa grandeur et sa puissance. Ceci n'était pas du tout facile, arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le diable s'est levé. Nous empêcher de prêcher l'évangile. Figurez-vous que toute la semaine allait bien jusque hier où je me suis senti parti. J'avais des vertiges, j'étais au travail, j'ai même failli faire un accident alors que j'étais à 110 à l'heure. C'était terrible. Ma voix était complètement partie, cassée, angine, migraine, tout ce que vous voulez. J'ai dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que quand il y a des attaques comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Dis à ton ami, quelque chose va se passer. Regarde-lui en face, dis-lui, quelque chose va se passer. Nous sommes là pour 3 jours. Aujourd'hui, nous allons juste ouvrir, nous allons juste démarrer, nous allons juste ouvrir la voie
Mais je suis sûr, je suis convaincu par le Saint-Esprit que quelque chose va se passer. Quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas le plus responsable de ce qui va se passer. Mais je le sais et je le sens par l'Esprit de Dieu. Alors prenons le livre dans le livre de Romains chapitre 1er. Je veux juste vous introduire à nos trois jours. Le thème de notre séminaire est l'Évangile et la puissance de Dieu. Voilà le thème de notre rencontre de trois jours de séminaire. L'Évangile est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Et nous lisons juste le verset 15 au verset 17. Et nous allons nous baser essentiellement sur le verset 16. Il est écrit ceci. Ainsi, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce seul verset 16 où Paul dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a d'autres versions qui disent c'est une puissance de Dieu. Mais je préfère cette version parce qu'on nous parle de la plénitude de la puissance que Dieu a déposée dans l'Évangile. Et Paul ici écrit aux chrétiens qui étaient à Rome. Nous ne connaissons pas de manière précise les circonstances par lesquelles l'Église était fondée à Rome. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Rome, au temps de l'Église primitive, certainement ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution, certains d'entre eux étaient arrivés à Rome. Et Rome, c'était en Italie, et ils ont prêché l'Évangile. Et voyez-vous, à Rome, il y avait les chrétiens. À Rome, il y avait les disciples. À Rome, il y avait ceux et celles qui suivaient Jésus, qui marchaient avec Jésus. Voyez-vous? Et Paul va écrire cet épître que je considère comme étant l'épître fondamental. L'épître de base, parce que cet épître aux Romains nous révèle ou nous détaille, nous donne de manière suivie et détaillée l'exposé sur l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Et pourquoi l'Évangile? Nous aurons à développer pendant ces deux jours. C'est aujourd'hui, demain et dimanche. Nous allons développer toutes ces choses. Voyez-vous? Et l'Évangile que Paul a exposé ici nous parle des vérités fondamentales en ce qui concerne le christianisme. La base même de notre foi, voyez-vous? Il dira, lorsque j'étais chez vous en parlant aux Corinthiens, ce n'était pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous prêcher, vous apporter le témoignage de Dieu. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, lorsque j'étais chez vous, ma parole et ma prédication, voyez-vous, ne reposaient pas sur des discours persuasifs d'une quelconque sagesse, mais c'était sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le but de l'Évangile, c'est de nous révéler le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, afin que notre foi soit basée non sur ce que les hommes peuvent dire, non sur ce que les doctrines qui peuvent pulluler à gauche et à droite, mais sur la puissance de la parole de Dieu. Tel est l'Évangile. Et Paul se retrouve à Corinthe lors de son troisième voyage. Lorsqu'il arrive pour la troisième fois à Corinthe, et c'est de là, de Corinthe, qu'il va écrire en ce mot cet épître. Alléluia. Et l'épître aux Romains nous présente ce qu'est la grâce de Dieu. Et en parlant de l'Évangile, qu'est-ce que c'est l'Évangile? L'Évangile signifie la bonne nouvelle. Ok, c'est un mot qui est dérivé du grec. Et du grec, ce mot signifie littéralement la bonne nouvelle. Et je nous parlerai que cette bonne nouvelle a été une promesse que Dieu, depuis la Genèse même, avait annoncée pour notre salut. Et ceci est très prophétique.
Et c'est pour cela que le diable n'aime pas qu'on parle de l'évangile. C'est pour cela qu'il s'oppose. Toutes les personnes qui se sont levées avec une détermination de vouloir prêcher la vérité de l'évangile ont eu affaire à des attaques de l'ennemi. Pourquoi? Tout simplement parce que cette bonne nouvelle apporte le salut au milieu d'une nation, au milieu d'un peuple, au milieu d'un monde qui est dans le tourment, au milieu d'un peuple qui est perdu, qui ne sait où aller, qui ne sait, qui ne connaît le sort de sa vie. Et cet évangile, nous dit la Bible, parle de la vérité. Et quand vous allez dans Romains chapitre 3, Paul nous dit que Dieu seul soit tenu pour vrai et tout homme pour menteur. Cela signifie aucune vérité ne peut découler de ce que de l'homme. La vérité ne vient que de Dieu. Voyez-vous, tout homme doit être déclaré menteur. Tous les sages de ce monde, tous les intelligents, tous les médecins, les chercheurs, tous les psychologues, toutes les personnes qui veulent apporter une quelconque solution face aux problèmes de l'humanité doivent être reconnus pour menteurs, parce que la solution ne viendra nulle part d'ailleurs que de l'évangile, que de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet évangile nous présente une personne. Cet évangile nous présente Jésus. Donc quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle de Jésus. C'est la bonne nouvelle de sa vie, la bonne nouvelle de son enseignement et la bonne nouvelle de ce qu'il a accompli, c'est-à-dire de son œuvre. Car il n'y a pas de salut sans le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est le don de Dieu. Il est le don venu du ciel, donné à l'humanité, aux hommes pécheurs, aux hommes dans les ténèbres, pour qu'ils reçoivent le salut. Donc l'évangile nous présente une personne. L'évangile nous présente Jésus. Il dit en lui est révélée la justice de Dieu. Donc il est une justice qu'on appelle la justice humaine. Il y a une justice qui s'obtient par la loi. Et cette justice dont Paul se fiait. Et nous, en tant qu'humains, nous qui ne sommes pas une nation juive, nous avons tendance à nous établir nous-mêmes notre justice. Nous avons tendance à dire ce qui est bien de ce qui est mal. Mais voyez-vous, dans le plan de Dieu, ceci ne révèle pas de l'homme. Donc ce n'est pas à l'homme de décider ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais c'est Dieu au contraire, parce que sa loi est pure. Voyez-vous, Psaume 19 nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle est pure, il te restaure là. Et voyez-vous, c'est Dieu qui détermine ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous vivons dans une génération où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et d'ailleurs, la suite de cet évangile nous dira que la colère de Dieu se révèle depuis le ciel contre toute impiété des hommes et contre toute méchanceté des hommes, de ceux, toutes les personnes qui veulent retenir injustement la vérité captive. Et cette vérité, elle est captive aujourd'hui par sa société qui veut dire, qui veut nous dicter le mode de vie. Alors que Dieu a créé un homme et une femme, la société veut nous dire que deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se mettre ensemble. Alors que Dieu interdit l'homosexualité, l'impudicité, la société nous montre qu'on peut vivre en union libre. Ceci n'est pas du tout un problème. Voyez-vous, l'ordre de choses a été renversé. La vérité a presque disparu, je dirais, de la bouche de ça. Et tout homme doit être reconnu comme menteur. Dieu seul est vrai. Dis à ton ami, Dieu seul est vrai. Jésus de Nazareth soit glorifié. Et qui est l'homme? Quelle est la situation? Quelle est la condition des hommes aujourd'hui? Si vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, je veux que nous prenions ensemble Éphésiens chapitre 4. Nous allons essayer de comprendre quelle est la situation de tout homme. Et je vous parlerai par la suite de la situation des Juifs. Et pourquoi l'évangile est-elle puissante de Dieu, d'abord pour les Juifs et ensuite pour les païens? Pourquoi? Éphésiens et chapitre 4, nous prenons ensemble le verset 17 jusqu'au verset 19. Regardez ce que la Bible dit ici.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ici, Paul nous enseigne, nous détaille la situation de l'homme. L'homme perdu, l'homme pécheur. Il dit les païens. Et quand la Bible utilise l'expression païen, païen signifie une nation qui n'est pas juive. Voyez-vous, toutes les nations hormis Israël sont appelées païens. Ou encore l'expression grecque. Donc quand la Bible parle de grec ou païen, il est question de nous autres. Nous autres qui n'avons pas de droit de cité en Israël, qui sommes étrangers aux alliances de la promesse. Voyez-vous? Donc il dit que ces païens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils marchent dans la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, nos pensées sont vaines. Voyez-vous? Ce sont des pensées de vanité. Nous n'avons pas la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu nous est révélée dans la Bible. Or, les païens n'avaient pas accès à la Torah. Seul Israël avait accès à la Torah. Voyez-vous? C'est pour cela que vous voyez le culte des dieux dans les nations. D'ailleurs, Jérémie le dira, n'imitez pas les autres nations comme, et puis ne servez pas leur Dieu. Donc les nations sont dans une forme de vanité. Ils marchent dans les ténèbres et ils ne savent où ils vont. Et telle est la première condition de l'homme. Nous sommes, voyez-vous, nous avons des pensées vaines. Et deuxièmement, il dit ici, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc il parle ici de l'intelligence. Or, l'intelligence signifie l'esprit. Leur esprit, voyez-vous, l'esprit de ceux qui n'ont pas Dieu est dans les ténèbres. Oui, frère. Oui, nous sommes dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Vous le voyez bien habillé, avoir de l'argent, avoir semblant de bien vivre, de bien-être, mais ils sont dans les ténèbres et ils ne savent où ils vont. Ils ne savent pas ce qui les attend après la mort. Et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi viendra le jugement? Le jugement de Dieu sera immuable pour tout homme. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance contre la mort, dit la Bible. Mais ils ont l'intelligence obscurcie. Vous leur parlez de l'enfer. Vous leur parlez de la vie après la mort. Ils vous disent, on verra. Il y en a même qui vous disent, mais il faut bien qu'il y ait des gens en enfer. S'ils connaissaient ce que c'est le lac de feu, s'ils savaient ce qui les attendait, frère. Et c'est pour cela, vous voyez, la Bible dit, Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'esprit. Il a mis un voile, voyez-vous. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il y a comme un voile. Ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a Jésus, tu es heureux. Tu es la personne la plus heureuse. Quand Jésus a posé la question, qui suis-je aux dix des hommes? Il y en a qui ont dit, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et puis disent à ses disciples, et vous qui dites-vous que je suis? Simon Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là-haut. Car le vrai bonheur ne vient pas de l'argent, le vieux bonheur ne vient pas de choses matérielles, mais c'est de la révélation de Jésus de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà le cas de l'homme ignorant. En fait, nous sommes dans. Il dit par la suite, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants. Lorsqu'on est païen, on ne connaît pas les choses de Dieu. On est ignorant. On est étranger à la vie de Dieu. On est insensible, voyez-vous? On est incrédule. Le péché amène l'incrédulité dans le cœur. Plus vous péchez, plus votre cœur devient dur. Voyez-vous? Mais plus vous vous approchez de Dieu, plus vous êtes sensible à sa présence, plus vous cherchez à plaire à ce Dieu, plus il vous agrée et plus il dit, avez dit quoi? Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ces hommes sont incrédules. Et quand vous parlez aux hommes aujourd'hui, ils sont dans l'incrédulité.
ils ont perdu tout sentiment. Ils sont insensibles à Dieu. Frère, ils vivent dans le dérèglement. Le dérèglement est devenu le mode de vie, frère. Comment pouvez-vous expliquer l'inceste dans les familles? Comment pouvez-vous expliquer un père qui va avec sa fille, une mère qui va avec son fils? Comment pouvez-vous expliquer des gens qui vont refuser de croire à Jéhovah, le Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, mais qui courent après des choses de vanité? Ils vont croire à l'horoscope. Ils vont croire à je ne sais pas quoi, à des choses de vanité, des choses banales. Frère, telle est la condition de l'homme aujourd'hui. L'homme veut tout sauf Dieu. L'homme veut le plaisir, mais pas Dieu. L'homme cherche le soleil pour aller à la plage, mais il ne veut pas adorer le créateur du soleil. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Telle est la condition de l'homme aujourd'hui. Frère, et sans parler de la pureté, de la débauche. Oui, toutes ces personnes qui ont voté leur vie dans la débauche. Allez à Hollywood, vous allez voir combien la débauche est monnaie courante. Tout est lié à la cupidité, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. À cause de l'amour de l'argent, il y en a qui vendent leur corps à la prostitution. À cause de l'amour de l'argent, il y en a qui sont prêts à sacrifier leurs parents, leurs enfants, pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, le pouvoir, frère. L'impureté qui est jeune dans la cupidité, tel est le cas de tout homme. Voyez-vous? Il y en a même qui sont devenus esclaves, esclaves du diable, mais ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toutes ces personnes, c'est que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Amen. 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 Et ça, c'est le cas des païens. Et regardez un peu le cas des juifs. Paul, je veux m'attarder plutôt sur Paul, parce que c'est lui qui a écrit l'évangile et c'est lui qui dit « Je n'ai point honte ». Donc nous allons d'abord parler de lui, pourquoi Paul m'a dit « Je n'ai pas honte ». Philippiens chapitre 3. Venez avec moi Philippiens chapitre 3 et nous lisons le verset 4 au verset 6. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 6. Ça c'est les ténèbres des Juifs. Il dit quoi? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, race d'Israël, de la race d'Israël plutôt, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien et quant aux zèles, persécuteur de l'Église et irréprochable à l'égard de la loi de la justice. Il dit au verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Il dit, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Regardez bien, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. Paul, un homme intelligent, un homme zélé, un homme qui a été instruit au pied de Gamaliel. Excusez-moi, Gamaliel était un rabbi très respecté en Israël. Paul était pharisien. Paul, il dit lui-même, il était irréprochable à l'égard de la loi. C'est-à-dire, là où même Jésus pouvait condamner les pharisiens en disant qu'ils se sont mis sur la chair de Moïse, mais ils ne pratiquent même pas ce que Moïse a dit. Mais Paul, lui, pratiquait ces choses. Il dit, par rapport à la loi juive, par rapport à la loi qui est dans l'Ancien Testament, il était irréprochable. Et vous verrez que ceci ne l'a pas empêché d'être dans les ténèbres. Et les ténèbres de Paul se sont manifestées comment? Vous verrez que les Juifs, lorsque le Messie est venu, il était dit, il y a une prophétie qui parlait de la venue du Messie. Donc, prenons d'abord la prophétie de Ésaïe chapitre 8, verset 23, où il est écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a des angoisses. Il dit, si
les temps passés ont couvert de ténèbres, d'angoisse, d'amertume le pays de Zabulon et de Nephtali. Le temps à venir couvriront de gloire. Et dans au chapitre 9 de Ésaïe, le verset 1er, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, il est question d'Israël. Mais Israël se retrouvait dans les ténèbres parce qu'Israël n'a pas respecté la Torah, qui elle était la loi, la lumière. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Israël ne l'a pas respecté. Et Israël a été plongé à nouveau dans les ténèbres. Et Jésus, plutôt l'Esprit de Dieu dans la bouche de Ésaïe annonce la venue du Messie en disant que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu veux bien, hein? Une lumière resplendit. La lumière a jailli des ténèbres. Voyez-vous? Pour éclairer. Il a dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue chez le sien. Israël, les Juifs, mais le sien ne l'ont pas reçu. Voyez-vous un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Car un enfant nous est né. Un fils vous a été donné. Et la domination reposera sur lui. Et il avait une mission. Sa mission, c'était de présenter l'évangile. Luc chapitre 2. Nous allons revenir à Paul tout de suite. Luc chapitre 2. Regardez avec moi. Luc chapitre 2. Nous lisons le verset 29 au verset 32. Luc chapitre 2. Le verset 39 au verset 32. Ici, c'est la prière de Siméon. Lorsqu'on apporte le petit enfant, Jésus, dans le temple. Et Siméon, poussé par l'Esprit, il vient, il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Quelqu'un peut dire avec moi, mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Ici, Siméon, en tant que prophète, il détermine la lignée ou il détermine la mission de Christ. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Cela veut dire, mes yeux ont vu celui dont l'évangile parlait. Celui dont les prophètes de la loi ont prophétisé. Il a dit quoi? Les prophètes qui ont prophétisé les choses touchant la grâce, ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder les temps, les portes, les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu qui parlait en eux. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour eux. C'était réservé pour une génération bien précise. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour accomplir la parole de Dieu. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Jésus est la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est le salut des peuples. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Il n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Il est le Dieu des Africains. Il est le Dieu des Européens. Il est le Dieu des Asiatiques. Il est le Dieu des Américains. Il est le Dieu de ceux qui habitent les îles. Il est le Dieu de toute l'humanité, de toute langue, de toute tribu, de toute domination, frère. Quel que soit ton nom, ta race, ton sexe, que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui a le salut. Il n'y a le salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Laisse-moi donner gloire à ce nom. Gloire d'Israël, c'est lui la gloire d'Israël. Israël avait perdu sa gloire. Ichabod, la gloire, la Shekinah avait disparu. Mais regardez lorsqu'il est venu, la première chose, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le ciel qui était fermé, le ciel était à nouveau ouvert et l'Esprit est descendu. Alléluia, l'Esprit de gloire, l'Esprit de gloire, l'Esprit qui atteste que ces choses sont véritables et vraies. L'Esprit qui convainc seul de péché, de justice et de jugement. L'Esprit par lequel, oui, il a annoncé la parole de Dieu. Et l'Esprit aussi qu'il a ressuscité d'entre les morts.
Et Jésus est né. Jésus a eu un ministère fougueux. À 30 ans, il rentre dans le ministère. Jamais homme n'a été utilisé comme cet homme. Jamais homme dans toute l'histoire de l'humanité a été célèbre que lui. Frère, un seul nom, que ce soit dans le passé, au présent et dans le futur, restera marqué dans les annales. Frère, c'est le nom de Jésus. Car la seule personne qui a marqué les époques, qui a marqué les autorités, les sangs, son nom c'est Jésus de Nazareth. Il suffisait 3 ans. 3 ans de ministère étaient suffisants pour impacter le monde, frère. 3 ans étaient suffisants par la puissance de Dieu pour marquer sa génération. Il est venu avec la plénitude de l'Esprit de Dieu. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Marchant, c'était Dieu qui marchait. Il était Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Saint, immuable. Jésus de Nazareth. Excusez-moi, il est venu avec la sensibilité de l'esprit, muni de la puissance de Dieu. Il savait exactement ce que les hommes avaient besoin. Lorsqu'il t'approche et il te regarde, il sait que tu as besoin de délivrance. Ceux qui avaient besoin de délivrance, il est délivré. Ceux qui avaient besoin de guérison, il est guérissé. Ceux qui avaient besoin d'une restauration, telle la femme, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a juste touché le pan de sa robe. Il dit, une force est sortie de moi. Elle a reçu son miracle. Alléluia. Il est venu avec la sensibilité de l'esprit. Il n'a rien fait en dehors du programme divin. Il était muni du programme céleste. Dieu lui avait donné son calendrier jusqu'au poteau de la croix. Il savait que l'heure était arrivée où les ténèbres seraient se réjouir afin que la parole de Dieu soit accomplie. L'évangile et la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'évangile et la puissance de Dieu. Tu peux le dire encore? L'évangile et la puissance de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Il est parti à la mort. Il est mort, il est ressuscité de mort. Frère, la Bible dit que c'était les pharisiens, c'était les chefs, les principaux sacrificateurs qui l'ont livré à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie qui les délivrerait de la domination romaine. Voyez-vous, à ce temps, il y avait Rome qui était la plus grande puissance mondiale. Voyez-vous, Daniel avait parlé de 4 bêtes, voyez-vous, de 4 animaux. On nous parle de la statue de Nebuchadnezzar. Et il y a eu une pierre qui se détachait sans le secours d'aucun homme et qui a frappé le pied. Il était question de la venue du Messie. Mais il est né. Le royaume était parmi nous, mais nous ne l'avons pas vu. Il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici, il est là. Le royaume est au milieu de vous. Mais qui l'avait vu? Qui l'avait su? Très peu de personnes, à part excepté ceux qui avaient la révélation par le Saint-Esprit. Et les pharisiens l'ont vu. Ils ont dit, non. Il est écrit que le Messie doit demeurer éternellement. Celui-là n'est pas le Messie. Ils l'ont rejeté. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple? Les peuples, les nations se sont ligués contre le Seigneur et contre son poing. Brisons leurs liens et délivrons-nous de ce chêne, de leur chêne. Frère, Paul se retrouvait à Jérusalem pendant que Jésus était crucifié. Oui, Paul avait entendu parler de ce Jésus. Mais parce qu'il était pharisien, il était dans les ténèbres. Jésus dit, je suis venu pour un jugement. Pour ceux qui ne voient pas, reçoivent la vue. Mais ceux qui disent que nous voyons deviennent aveugles. Paul était devenu aveugle. Parce qu'il y avait en face de lui la lumière. Mais il n'avait pas cru en cette lumière. Il se basait sur sa propre justice. Alors que sa propre justice... La Bible dit quoi? Dans Esaïe 5, 64, notre propre justice est comme un vêtement souillé. Ta justice est comme un habit impur, un habit sale. Josué se présente devant l'ange et on lui dit, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui les vêtements de fête. Ta justice est un vêtement sale. Tu as besoin d'un vêtement neuf. Tu as besoin d'une huile fraîche. Tu as besoin de revêtir Christ et de déchirer ton vieux manteau. Paul a certainement approuvé le meurtre de Jésus. Et voilà que Jésus était mort. Non seulement qu'il est mort, il est ressuscité des morts. La Bible enseigne qu'il est apparu à plusieurs personnes. Et non seulement cela, il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine.
Et 10 jours après, c'est l'Esprit de Dieu qui est redescendu, qui est envoyé le jour de la Pentecôte. L'Église naît dans la puissance de Dieu. Frère, les 120, c'était tous des prédicateurs de l'Évangile. Ce n'est pas comme l'Église aujourd'hui où il n'y a qu'un petit noyau de prédicateurs. Ils étaient 120, mais les 120 étaient tous prédicateurs parce qu'ils sont partis annoncer les merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue, selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Si dans l'église primitive, on n'a jamais encouragé les chrétiens à évangéliser, parce que c'était la responsabilité de chaque chrétien. Contrairement à nous aujourd'hui, où il faut qu'on nous pousse, parce que nous sommes comme l'église de Laodicée, nous sommes endormis, nous sommes dans une forme de tiédeur. Il y a une réveil à Jérusalem, le feu a embrasé. Vous savez ce qui va se passer? Il va se passer qu'à l'église de Jérusalem, ils vont nommer des diacres tellement qu'il y avait la croissance exponentielle par l'assistance de l'Esprit de Dieu. Ils vont nommer des diacres et l'un d'eux s'appelait Étienne. La Bible dit Étienne, l'un de ces diacres, était un homme rempli d'esprit et de sagesse. Il se retrouve un jour devant le Sanhédrin et il leur prêche l'Évangile. Il leur parle, commençant même par les prophètes. Il leur annonce que celui que Dieu avait destiné pour détourner, de détourner Israël de ses impiétés, Jésus. Mais voilà qu'ils ont réduit leur coup. Étienne, sous l'onction de l'Esprit, il dit, homme au courage, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il prêche, il prêche, il prêche. Et cela suscite la fureur. Parce qu'ils n'avaient pas la justice de Dieu. Ils ont eu la fureur, la colère a gagné leur âme. Et ils se sont décidés de mettre fin à la vie d'Étienne. Et la Bible nous enseigne que Saul, parce qu'il s'appelait Saul de Tarse, avait aussi approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait mis son sceau, son cachet, pour que Étienne soit tué, lapidé. Frère, lorsqu'on a sa propre justice, on peut tuer au nom de Dieu. Oui. On peut tuer. Jésus dit quoi? On vous, il dit, l'homme vient ou quiconque vous fera mourir. Quoi rendre un culte à Dieu? Il dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mes frères, au nom de la loi, Paul a tué Étienne. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Et la Bible dit par la suite, il respirait encore la haine. Il respirait la menace. Au point où, là où les chrétiens se réunissaient dans les maisons, ils entraient dans ces maisons, ils les arrachaient et ils les mettaient en prison. Ils les bastonnaient, ils les frappaient bien comme il faut, tout simplement parce qu'ils étaient animés par la justice humaine, la justice qui vient de la loi, cette justice qui était corrompue, un vêtement souillé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Paul était zélé. Il est Dieu lui-même, irréprochable contre la loi, zélé, persécuteur de l'Église. Il croyait bien faire. Personne ne pouvait l'arrêter. Certainement, il y a des chrétiens qui ont dit, Paul, ce que tu fais n'est pas correct. Jésus est le Seigneur. Paul pouvait dire, non, laissez-moi tranquille. Saul, à l'époque, de Tarse. Il dit, laissez-moi tranquille. C'est vous qui avez un problème. Mes amis, je vais vous dire aujourd'hui, rien n'est aussi puissant pour changer le cœur d'un homme si ce n'est l'Évangile, frère. Non, lorsque vous avez affaire à des chrétiens même rétrogrades, lorsque vous avez affaire à des gens qui ont le cœur dur, frère, attendez-vous à la puissance de l'Évangile. Attendez-vous à ce que Jésus lui-même vienne se révéler. Et alors qu'il menaçait, il respirait encore la menace. La Bible dira qu'il ira prendre des lettres auprès des sacrificateurs qui étaient à Jérusalem pour aller lier les chrétiens qui étaient à Damas et sur le chemin de Damas, frère. Acte chapitre 9, vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'il allait, la Bible dira tout à coup, la lumière est venue du ciel. Oh, que j'aime l'Évangile. La Bible dit tout à coup, les gens pour qui tu pries, il y a un jour où il y aura un tout à coup. Oui, frère. C'est pour ça que l'Évangile marche avec la prière. C'est pour ça que l'Évangile marche avec la consécration. C'est pour ça que l'Évangile nécessite aussi le don de ta vie.
Étienne a livré sa vie. Ceci était une semence. Celle-ci plutôt était une semence qui a dû engendrer le fruit pour la vie éternelle. La conversion d'un homme qui était mauvais et qui va devenir le plus grand apôtre de l'évangile au travers le monde entier. Oh non, je croyais que tu allais acclamer la sagesse de Dieu. Les personnes les plus dures aujourd'hui, ce sont elles que Dieu va se servir pour répandre de manière massive l'évangile. Paul sur le chemin de Damas. Paul arrive, il voit la lumière. Paul se met à genoux. Frère, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Personne n'a dit à Jésus, qui es-tu? Il pose la question, qui est-il Seigneur? Qui lui a dit qu'il était le Seigneur? Parce que lorsque vous avez la révélation, les écailles tombent. Lorsque vous avez la révélation, le voile tombe. Lorsque vous avez la révélation, quelque chose de nouveau se passe dans votre vie. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus que l'évangile révèle. La Bible en lui est révélée. La justice de Dieu pour le salut s'est révélée à Paul. Paul s'est rendu compte que ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées maintenant comme une perte. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Paul devient aveugle. Dieu dépêche un disciple, Ananias, et il vient pour prier pour Paul. Après un jeûne de 3 jours, Paul recouvre la vue. Les écailles tombent de ses yeux. Frère, Paul, il était scellé, mais il avait les écailles. Combien aujourd'hui ont-ils des écailles aujourd'hui? Combien parmi les hommes, même parmi ceux qui persécutent l'église, les chrétiens ont des écailles dans leurs yeux, frère? Il faut prier pour que ces écailles tombent. Et c'est la révélation de Jésus. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, oui, et qui il lui a plu, qui se révèle en moi, je ne consulte ni la chair, ni le sang. Il y a des choses, quand Jésus lui-même vous apparaît, vous changez. Vous changez de vie, vous changez de conduite, parce que vous avez reçu une révélation que personne ne peut expliquer. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses même qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et voyez-vous, la conversion de Paul a amené la terreur dans le camp des chrétiens. Parce que beaucoup ne pensaient pas que réellement il était converti. Ah, celui qui persécutait l'évangile aujourd'hui annonce la foi dont il s'est forcé de détruire. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, frère. Nous n'allons que pour la vérité. Et l'évangile, c'est l'évangile de vérité. C'est l'évangile de paix. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est l'évangile de Christ. C'est ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. La Bible dit quoi? Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication, par la folie de la croix. Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Vous le voyez, ils mettent beaucoup d'argent dans les recherches. Ils mettent beaucoup d'argent. Oui, ils payent la police, mais la violence ne fait qu'augmenter. Mais il y a le nombre de tueries ne fait qu'augmenter. Frère, l'homme ne pourra jamais mettre un terme au mal. Seul Dieu, par la puissance de l'évangile, seul Dieu, par la puissance de l'évangile, peut freiner le mal. Le mal est une puissance que seul Jésus peut arrêter. Oui, mes amis. Et Paul dit maintenant, regardez-moi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Parce que je n'ai plus honte de l'évangile. Oui, quand j'étais pharisien, j'avais honte. Oh non, si Jésus ne s'est pas encore révélé à toi, tu auras honte de lui. Il dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi publiquement devant le Père et devant les anges. Mais quiconque me réunira devant les hommes, aujourd'hui, les chrétiens ont peur de parler de Jésus. Parce qu'il y a eu des lois qui sont mises, qui sont votées. Comme quoi, il ne faut pas parler de Jésus, c'est du prosélytisme. Frère, je vous en prie, lorsqu'on met la publicité qui affiche la nudité, ce n'est pas du prosélytisme. Lorsqu'on nous présente des publicités,
publicité qui favorise l'homosexualité. Ceci n'est pas du prosélytisme. Mais lorsqu'on utilise le nom de Jésus, qui est le seul nom qui apporte la vie, on veut nous empêcher. Mais je veux dire comme Pierre, nous ne pouvons ne pas parler de choses que nous avons vues et entendues. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Non. Mais c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Jésus de Nazareth. Il dit, c'est la puissance. Quand la Bible parle de puissance, la puissance, c'est comme la dynamite. C'est un mot qui vient du grec dynamis. Dynamis veut dire dynamite. Or, on utilise le dynamite pour écrouler les bâtiments, pour écrouler les rochers. Qui es-tu, grande montagne, devant ce Zorobabel? Tu seras aplani. Mais il dit quoi? Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc l'évangile doit être prêché par la puissance du Saint-Esprit. Oui, frère, j'en parlerai demain de l'impact de l'évangile. Frère, l'impact, il faut qu'il y ait impact dans l'évangile, dans notre vie quotidienne, où que nous soyons, dans ce que nous faisons. Il faut que les hommes disent, il faut que le monde des ténèbres reconnaisse que non, tu es spécial parce qu'en toi, il y a un être qui vit, qui s'appelle Jésus, et qui est Seigneur, qui est Dieu, qui est glorieux et qui est puissant. Il dit, c'est la puissance. Là où la société échoue, là où le gouvernement qu'on vient d'élire, même pas un nom d'exercice de pouvoir, il n'arrive pas à mettre fin à la crise. Mais il n'arrivera pas, parce que la solution à la crise s'appelle Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Les nations tremblent, le peuple est dans l'épouvante, mais le peuple de Yahvé est toujours plein de confiance et sans crainte. Tous ceux qui se confient en lui sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie. Frère, on peut raconter des mauvaises nouvelles. Tu es là, tu trembles. Quel sera le sort de ma boîte? Mais tu es déjà enrôlé. Tu es déjà enrôlé. Et tu as quelqu'un qui prend soin de toi, même dans la disette. Il dit quoi? Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Frère, nous ne vivons pas par rapport aux nouvelles que nous avons. Éteignez-moi un peu votre télé, parce que l'accumulation des mauvaises nouvelles va tuer votre foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais lire ma Bible chaque matin. Et je vais sortir la tête haute. Quand bien même j'ai les factures, j'ai les découvertes, je sais que Jésus va régler ça. Il n'y a pas de problème, frère. Parce que son nom s'appelle la solution. Nous sommes là. Nous avons perdu la puissance. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à l'évangile. Hein? Et parce que nous ne mettons pas l'évangile en pratique. Voilà les deux choses qu'il faut que l'église aujourd'hui n'est pas puissante. La Bible n'a jamais dit l'église c'est la puissance de Dieu, ou tel ministère c'est la puissance de Dieu. La Bible dit c'est l'évangile. Donc si tu veux expérimenter cette puissance, il n'y a pas de favoritisme. Commence à l'appliquer, tu verras de quoi Dieu est capable de faire. Dynamite. Nous avons retombé les dynamites. Nous allons faire exploser l'incrédulité. Dieu est en train d'amener la France dans une situation de bassesse pour que cette nation reconnaisse qu'à part Yahvé, à part Jésus de Nazareth, il n'y a pas d'autre issue. Oui. Il va te couler à terre. Il va te baisser. Oui. Afin que tout le monde reconnaisse que Dieu seul mérite la gloire et l'adoration. Dieu seul doit être adoré.
assez l'incrédulité, assez, oui, l'athéisme, je suis athée, assez, Dieu en a assez, assez aussi aux personnes qui disent je suis catholique, alors que quand vous vérifiez dans leur vie, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour les catholiques, les protestants, il est venu pour donner la vie. La vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. La puissance de Dieu. Pour le juif d'abord, et ensuite le grec. Pourquoi cet ordre? Tout simplement parce que c'est aux juifs que la Torah a été donnée avant, au préalable. Jésus même dira, je n'ai été envoyé qu'au premier, perdu de la maison d'Israël. Il est d'abord revenu restaurer son peuple, parce qu'il est la gloire d'Israël, afin que Israël puisse rayonner de l'évangile et le répandre partout. Et c'est pour ça que vous verrez que le tout premier homme qui a ouvert la porte de l'évangile, c'était Pierre, aussi bien aux juifs qu'aux nations païennes. Il est entré dans la maison de Cornée. Dieu lui a monté cette nappe où il y avait des oiseaux. Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, rien ne suit, n'est rentré de ma bouche. Et Pierre comprend que Dieu ne fait exception de personne. L'évangile. Et face à l'évangile, on n'a pas à avoir peur parce que l'ennemi se lève contre ceux qui veulent pratiquer l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que le diable le sait. Ce que toi tu ignores, Satan le sait. Regardez même, avant que Jésus ne naisse, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tués. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pourquoi il a souffert la croix? Regardez même lorsque l'église est née, tout de suite la persécution s'est levée. Satan utilise deux moyens pour empêcher la progression de l'évangile. La première chose, il attaque. Regardez lorsque Philippe est arrivé à Samarie, la ville de Simon le magicien, il a voulu corrompre, il a voulu s'opposer à cela. Lorsque Pierre et Barnabas ont été envoyés par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a eu un homme, Elimas, par Jésus, qui s'est levé pour se dresser contre l'évangile. Donc le diable utilise des hommes, des femmes pour empêcher les Hérodes. Hérode a été utilisé pour décapiter Jean, pour arrêter Pierre. Parce qu'il a peur de l'évangile, de la puissance qui se dégage. Que toi tu méconnais, que toi tu ignores. La deuxième chose que le diable utilise, c'est la corruption. S'il n'arrive pas à freiner l'action de l'évangile par la persécution, il va essayer la corruption, il va essayer la séduction, il va essayer d'atténuer, ou je dirais d'affaiblir l'évangile. Paul dit, vous devez retenir l'évangile dans les termes que je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Et pour finir, en quoi l'évangile est la puissance de Dieu? Qu'est-ce que la puissance de Dieu? Prenez avec moi deux pierres. Deux pierres. Nous prenons le chapitre. Le chapitre premier. Deux pierres, chapitre premier. Nous lisons le verset 3 au verset 4. Deux pierres, chapitre premier, le verset 3 à 4. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre gloire et par sa propre vertu. Je peux m'arrêter là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Or, l'évangile est la puissance de Dieu parce qu'elle donne la vie. Elle communique la vie aux morts. Et Jésus l'a dit, la vient où tous ceux qui sont dans la sépulcre entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, frère. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Le diable le sait. Il sait que derrière l'évangile, il y a la puissance de Dieu qui communique la vie, qui communique la joie, qui communique la paix. Oui, frère. Qui communique l'amour. Chose que nous ne retrouvons pas dans le monde. L'évangile nous le donne. Voyez-vous un peu? Est-ce que tout le monde voit? L'évangile te donne la vie. Tu as la vie parce que tu as l'évangile. Parce que tu as Jésus. Et c'est la preuve de la divine puissance. Pourquoi? Parce que tu étais mort. Comment es-tu passé de la mort à la vie? Si ce n'est par la croix. Or, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. La croix est le pont qui nous sort de la mort à la vie. La croix, c'est la seule voie qui nous sort de la puissance de ténèbres pour nous transporter dans le royaume de lumière. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints de la lumière. La Bible qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Tu as quelque chose que beaucoup aimeraient avoir, mais ne l'ont pas. La vie. La preuve de la puissance de Dieu. Et cette vie est révélée par l'évangile de Timothée, chapitre 1. De Timothée, au chapitre 1. Lise avec moi à partir du verset 6. De Timothée, chapitre 1. À partir du verset 6. Il est écrit, c'est Paul qui parle, il parle à Timothée, son fils légitime. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte. Oui, Paul, qui n'avait pas honte, il dit à Timothée, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur et ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une seule convocation. Non à cause des œuvres, de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à la puissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oh, j'aimerais que Dieu, l'Esprit de Dieu, ouvre un peu notre esprit, notre intelligence par rapport à cette parole. Paul nous enseigne ici que la mort, qui était un ennemi redoutable, a été réduit à l'impuissance. Or, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de faire quelque chose? Réellement, si ce n'est la mort. Rien. Si on vous dit que là où vous partez, il va y avoir la mort, je pense qu'on peut faire demi-tour. Parce que personne ne veut mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la mort a été réduite à l'impuissance. Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Ce n'est pas à dire que la mort ne va plus exister. Non, c'est pour dire que la mort n'est plus un frein pour nous. La puissance de l'évangile a transcendé la puissance de la mort. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ici que la puissance de l'évangile surpasse la puissance de la mort. La Bible dit que Jésus est mort. Non seulement qu'il est mort, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il est vivant au siècle de siècle. Il est lui-même qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. 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 La mort n'est plus un frein pour nous. La mort n'est plus un obstacle pour ceux qui ont rencontré l'évangile parce que la mort a été réduite à l'impuissance. Jésus dit qu'il est la résurrection. Cela signifie que tu mourras. Mais attention, tu ne peux plus avoir peur de la mort. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez plutôt celui qui a le pouvoir d'amener l'âme dans la gêne. Je n'ai plus peur.
Je n'ai pas honte parce que le diable peut me tuer à cause de l'évangile, mais je n'ai pas peur. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai un jour avec lui et je partirai dans la gloire. C'est ça la bonne nouvelle. Je n'ai plus peur de la mort. Christ est ma vie. 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 Et la mort n'est pas une peur. Je n'ai plus peur. On dit, on dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour le nom de Jésus. Oh mon Dieu, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous, et vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs à cause de mon nom. Vous allez mourir. Regardez les héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Il y en a qui ont connu la mort. Il y en a qui ont été sciés. Il y en a qui ont été lapidés. Il y en a qui ont été décapités. Il y en a qui ont été brûlés au bûcher. Il y en a qui ont connu des morts atroces. Mais ils attendaient une meilleure résurrection. Parce que c'est lui qui nous dit à oublier que le ciel, que Jésus s'appelle, le ressuscité. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et que ce mort de l'âme est venu sur la terre. La puissance de l'évangile. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'empêche. On nous dit, oh oui, si l'Esprit de Dieu m'envoie en Syrie, j'irai. Frère, parce que je sais que si ce n'est pas mon jour, je ne partirai pas. Même si je pars, il y aura une pierre qui m'aidera à ressusciter le capital. Tu ne m'as pas compris. Je dis, quelqu'un ici ne m'a pas compris. Même si ton corps est touché, il y a ce qu'on appelle la puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus. Et par l'évangile, deux choses sont mises en évidence. Deux choses sûres. La première, c'est la vie. Tu as la vie. C'est pour cela qu'on a lapidé Étienne. On l'a lapidé. Il avait des morceaux de pierre. La Bible dit, Étienne était là. Il regarde le ciel. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de la majesté divine. Frère, comment pouvez-vous m'expliquer? Comment pouvez-vous expliquer ces choses? Frère, parce qu'il y a une puissance dans l'évangile. Pendant que vous n'êtes pas dedans, vous n'allez jamais l'expérimenter. Au moment où je vous parle, vous me tuez à l'instant. Cela ne vous fera absolument rien. Parce que l'Esprit de Dieu m'a tellement saisi et que la mort pour moi ne signifie rien. Frère, 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 la puissance de Dieu transcende la mort. La puissance de Dieu, il est dit quoi? Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. C'est un évangile de victoire. Quand le sorcier t'a dit, j'ai la victoire au nom de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà ce que la Bible enseigne, frère. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Capable de toucher les musulmans, capable de toucher les orthodoxes, capable de toucher les païens, capable de toucher les athées, capable de ramener à la vie ce qui était mort. Oh mon Dieu, je veux te donner gloire ce soir. Je veux te donner gloire parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oh oui, Seigneur, je veux expérimenter et vivre la puissance de cet évangile chaque jour qui passe. Aucun homme n'a le dernier mot sur ta vie. Aucune organisation, oui, n'a le dernier mot sur ta vie. Car ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu veux cette puissance? Là où tu es, est-ce que tu l'as vu? Si tu veux cette puissance, je te demande de te lever là où tu es. Si tu n'en veux pas, tu restes assis. Mais si tu l'as vu, lève-toi. La puissance qui change de situation. La puissance qui est capable de changer le cours de l'histoire. Jésus était un homme puissant, parole puissant en eux. Il est dit dans Psaume, car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et si tel est ton cas, lève juste main devant Dieu. Dis à Dieu ce soir,
Je veux la puissance de l'évangile. Dis-lui. Dis-lui. Il ne manque une personne qu'il veut puissamment utiliser. Il me manque, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit me manque une personne ce soir qu'il veut puissamment utiliser. Il t'a donné un don. 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 Et ce soir, il veut l'utiliser pour sa gloire. Il veut l'utiliser pour sa gloire. Dis, Seigneur, me voici. Allez ta voix. Commence à prier. Puisque tu t'es levé, commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier. Elle est ta voix. Elle est ta voix. Il va changer les choses. Je vous dis la vérité. Jésus va changer les choses. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Il va changer les choses. Ta vie ne sera plus jamais la même. Prie sincèrement. Ta vie ne sera plus jamais la même. Pendant que tu pries, je vois sa main qui se pose sur toi. Pendant que tu as tes mains élevées, levées vers Dieu, l'Esprit de Dieu se pose sur deux, trois personnes ce soir. Je vois la main de Dieu arriver sur deux personnes. Je vois la main de Dieu se poser ce soir. Oui, Dieu veut se servir de toi. Femme, jeune homme, Dieu veut se servir de toi. Il veut se servir de ta bouche. Il veut se servir de ta langue. Les paroles pleines de sang brillant dans mon cœur. Je dis, mon œil est pour le roi. Et que ma langue se comme la pluie de la pluie de l'écrivain. Voici l'Esprit de Dieu. Il te pousse. Aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Aidez-la, s'il vous plaît. Amenez-la devant, s'il vous plaît. Amenez-moi le jeune cadet. Tu veux prier pour lui. Dieu t'appelle. Le diable se lève contre toi. Le diable a envoyé des pensées pour te refroidir, des pensées pour détruire ta foi. Mais Dieu te dit qu'il a mis un appel de Dieu. Il a déposé des trésors en toi. Et il veut se servir de toi. Oui, ce soir, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité de la part de l'Esprit de Dieu. Il veut utiliser les hommes et les femmes. Vous qui avez vos mains levées, voici la main de Dieu sur vous. Voici la main de Dieu sur vous. Voilà au nom de Jésus. Voilà au nom de Jésus, la barrette. Continue à prier là où tu es. Et laisse savoir, continue à prier. Quelqu'un, l'Esprit de Dieu me montre l'épée qui sort de la bouche de quelqu'un ici. C'est un appel. Tu as reçu un message pour le jugement. Écoute-moi bien. Dieu te dit que tes paroles soient peu nombreuses. Car Dieu veut apporter le jugement par ta langue, par ta bouche. Dieu te dit, lis Ézéchiel. Lis Ézéchiel. Lis Ézéchiel. Lis Ézéchiel. Oui, Ézéchiel. Oh oui, Seigneur. Il se pose sur toi ce soir. Quelle présence de mon Dieu. Homme de Dieu. Prophète de Dieu. Il t'appelle mon prophète. Il t'appelle mon prophète. Aidez-la, 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 s'il vous plaît. La main de Dieu sur vous. 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 Oh Seigneur Jésus, bénis ces hommes, bénis ces femmes. Voilez de par ta grâce, mon Dieu. C'est par ton autorité, ta plénitude. Dans le nom de Jésus, voici l'Esprit de Dieu sur toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Toutes choses sont possibles à Dieu. Sont possibles à Dieu. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Je te dis, d'ici quelques temps, j'ouvre les portes qui étaient fermées. Je bénis ta situation. Tu verras ma gloire. Tu la verras. Tu la verras. Ta famille va toucher par le témoignage au travers de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, Père. 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 Comme l'heure a sonné, Jérôme. Comme l'heure a sonné. Comme l'heure a sonné. Dieu veut que tu expérimentes la puissance de l'évangile. Il veut nous toucher. Merci. 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 Alléluia. 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 Nous allons commencer à prier ce moment de gloire. Évangélise vous. Je me montre par l'esprit. Il y a des personnes qui viennent. À peine même qu'ils franchissent la porte. L'esprit de Dieu les saisit. Voilà ce que je vois par l'esprit. Préparez-vous. Il va y avoir un tel mouvement de Dieu. Dieu me dit, il va y avoir un tel mouvement de Dieu. Je le parle par l'esprit, je le dis par l'esprit. Il faut se préparer. Dieu a entendu la prière. Il y a une brèche qui est ouverte dans le monde spirituel. Ce soir, Dieu ouvre une brèche. Dieu ouvre une brèche. Dieu ouvre une brèche. Le temps est arrivé où le peuple de Dieu sera libre. Le temps est arrivé où l'évangile sera prêché avec puissance. Le prophète de Dieu se lève. Je lève une armée de prophètes. Je lève une armée de prophètes. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu lève une armée de prophètes. Tu joues une armée de prophètes. La main de Dieu sur toi. Apporte-le, apporte-moi. Ce frère, je veux prier pour lui. Je veux prier pour lui. Il y a le feu, comme le feu dans tes mains. Comme le feu dans tes mains. Ça brûle. Jésus, Jesus Christ, voici l'Esprit de Dieu sur toi. Tu as prêché l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. Il est en train de te préparer par ce temps de ténèbres. Il est avec toi avant la fin de cette année. Tous les vœux que tu m'as fait, tu les verras accomplir. Et tu fais ce que l'Esprit dit avant la fin de cette année. Tous ces vœux, tu les verras accomplir. Nous te rendons gloire, éternel Dieu des armées. Bénissons ton nom, Seigneur, nous te disons merci. Parce que Seigneur, tu as été là avec nous. Comme Alpha, Seigneur, tu as commencé ce programme avec nous. Et comme nous savons que nous allons de gloire en gloire, Seigneur, nous allons de progrès en progrès, de succès en succès. Et je crois, Seigneur, que demain, tu nous introduiras, Seigneur, encore dans une autre étape et après demain. Et tu continueras, Seigneur, encore à nous introduire dans les profondeurs des choses de Dieu, de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Te disant merci ce soir, Seigneur. Merci. Merci, merci pour ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ton esprit que tu as disposé, Seigneur, pour ce temps. Pour tout le temps, Seigneur, au nom de Jésus. Je vous en prie.
Merci Seigneur pour ta force et ta vertu. Seigneur, nous savons que tu nous soutiendras. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, le diable se lève. L'apostasie, Seigneur, fait rage, mais nous savons que tu nous aideras, Seigneur, à tenir ferme, à demeurer dans la prière, à demeurer dans ta présence. Yeah.
Je l'ai.